Chers passionnés de crypto-monnaie, comment allez-vous? J'espère que vous allez très bien. Voici l'airdrop Solana Classic que je viens partager avec vous sur cette chaîne Entrepreneur Web 3.0, la chaîne du peuple, le peuple et pas le peuple. Cette chaîne a pour vocation de vous partager tous les smart contracts, tous les bons plans, tous les projets crypto, les projets d'investissement, les projets porteurs. Et nous allons nous connecter sur Trust Wallet via la Binance Smart Chain ici que je vais cocher là, que je vais cocher ici. La Binance Smart Chain, là-bas, je suis déjà connecté. Ici, ce qui a lieu de faire, c'est venir insérer notre adresse Binance Smart Chain. On va donc rentrer attendez, bon, avant de faire cela, on va un peu parcourir, hein, on va un peu parcourir, donc il n'y a même pas lieu de parcourir les différents éléments ici. Donc sur cette airdrop il y a plusieurs possibilités. Il y a de faire du staking, il y a de faire aussi le airdrop aussi également. Bah, sur le airdrop il faut toujours coller notre adresse, et rejoindre le groupe Telegram. Et ici c'est changer la langue, je vais mettre en français, je mets en français, français c'est bon. Oui, ça. Oui, il est en français. Oui, il est en français. Il est en français. Maintenant, nous allons sortir d'ici. Voilà, je vais aller chercher mon adresse. Il nous reste 7 jours. 7 jours pour la fin de la fin de ce airdrop. Il nous reste 7 jours encore pour la fin de ce airdrop. Donc là, je vais cliquer sur l'agrège à rien. Je vais aller chercher l'adresse de mon smart contract, l'adresse de mon BSCAN, Binance Smart Chain. Je vais chercher cela. Il n'y a même plus grand-chose. Apparemment, il est en train de monter. On va copier. Copier. On va donc rentrer sur Solana Classic. On rentre là-bas. On viendra coller notre adresse de BSCAN ici. Là. Voilà, c'est fait. On va coller. On va relier. Une fois que c'est relié, ça va. Voici nos jetons. Nos jetons qu'on peut retirer déjà. Donc, on peut déjà retirer. Et voici notre lien d'affiliation ici en bas de page. Voici le lien d'affiliation que je mettrai en bas de cette vidéo. Bon, déjà, il faut qu'on cherche l'adresse. Il faut qu'on cherche le smart contract. L'adresse du smart contract de ce token. On cherche l'adresse du smart contract ici. On cherche l'adresse du smart contract. Oui, donc là j'ai copié l'adresse du smart contract que je laisserai en bas de page. Je viens juste ici. On va insérer déjà le jeton ici. On va insérer déjà le truc. Non, il n'est pas encore repris. On va maintenant cliquer sur l'adresse du smart contract. On vient là. Voilà, il est là. Vous voyez que on a ici. Voilà le nom, le symbole et décimal. Alors, par la suite, pour clôturer, on va venir cliquer ici. On va venir cliquer là. Ok, c'est fait. Ok, ça va. Donc, pour l'instant, il est question d'aller réclamer, d'aller réclamer nos tokens. D'aller réclamer nos tokens déjà sur la plateforme ici. Lorsque nous allons effectuer notre retrait. Lorsque nous allons effectuer le retrait, lorsque nous allons effectuer le retrait sur cette plateforme ici, lorsque nous allons effectuer le retrait, vous voyez là, oui, lorsque nous allons effectuer le retrait, donc s'il faut se désister, si on se désiste, il faut avoir minimum 20 000 pour pouvoir faire le retrait. Donc, il faut avoir minimum 20 000 pour pouvoir faire le retrait. Cependant, je vais copier l'adresse du smart contract, je copie l'adresse du smart contract. Ok, c'est fait. Donc, les gars, je laisserai le lien en bas de page pour vous et l'adresse du smart contract.